Est-ce qu'il t'arrive de fumer la pipe dans ton super peignoir ? Non, je ne suis pas fumeur de pipe. J'adore la pipe, mais je ne la fume pas. Nous sommes de très jolies fleurs. Dans le même bouquet. Nous sommes des fleurs. Sauter dans le vide. Ah mais jamais de la vie j'oserais sauter dans le vide. Ah si, là je suis chaud. Vous voyez un ponton avec, avec un bâtiment, il faut amener cette pastèque là-bas sans qu'elle se casse. Voilà. Donc je vais tenter un clutch monumental, je vais faire une Benjamin Pavard. Second ponton Pavard. La bleue incoming. Non mais vous le sentez là? Non mais là même une bleue normalement je perds pas. Ah, y'a une bleue. Oh, y'a une bleue. Est-ce que je peux arriver avant la bleue? Je déconne même pas, je déconne même pas. Et... Mais t'es magnifique. T'es magnifique, bon. Le renard des surfaces. Oh, je pense que tu vas nous régaler comme ça, toi, pour la fin. Je préfère rester en défaut. Oh, putain de merde. Oh, Oh, le cafouillage dans la surface. Oh, je l'ai... Oh, non. Ah, oh, c'est terrible, cette frappe. Ah, oh, cette frappe est absolument terrible, pense. Voilà, Jacqueline. Voilà, pas trop là non plus pour passer un bon moment quand on en joue avec un pote. Voilà, c'est magnifique ce que tu fais là pour moi. Oh mec, ça c'est fou. On va parler de la taille. Je vais vous demander. Bah, ça la qui compte taille. C'est très beau. Nickel leçon, voilà. Je suis sourd et pas de soucis. Ah oui, c'est vrai, putain. C'est vrai qu'on a un modérateur malentendant. Il est trop con. Enfin, j'ai l'impression juste que tu te rends pas compte ce que c'est d'être comédien doubleur, quoi. C'est-à-dire que moi, je fais un travail pour toi et derrière, juste, tu me le renvoies à la gueule, mais bon. Tu peux faire une autre version, en plus long. Vas-y, vas-y, je suis chaud. Bienvenue sur la Pouce Radio. Oh, un bon moment. J'ai trop hâte. Je suis de 3. Trop hâte de lancer le prochain live ici, en vrai. Mais en fait, je peux prendre une voix ultra grave comme ça, parce qu'en fait, faut savoir que j'ai à peu près les mêmes cordes vocales que Grand Corps Malade. Moi, j'adore la prose. Tout ce qui est perte de ses capacités physiques, pour une raison quelconque. Ouh, le scotch. Ouh, le scotch. Regardez avec mon long cou ce que je peux faire. Oui. À navigation, alors que vous étiez déjà passé par là, j'étais en mode, oh les gars, quand même. Par contre, si tu veines, est-ce que j'aurais fait un stack kill sur une game imposteur alors que je priais pour être oui, un imposteur, frérot? Oui, mais ça marche pas. Sky, je suis à 2 mètres de toi, fais pas trop le malin. Je vais t'exploser, en fait. Honnêtement. Ça te rappelle rien, toi, quelqu'un qui est sorti de laboratoire 30 secondes avant le report? Le cadavre, il était au niveau de labo, au niveau, ouais, au niveau du télescope. Et j'ai vu quelqu'un sortir de labo 35 secondes avant le et report. Qui c'est qui? C'est qui? J'ai oublié. La couleur. Alors les gars, moi j'ai une info. Moi je pense que ça se trouve, il m'a vu. Moi je... Tu es une très jolie petit coco. La cam m'a pas vu. Quelques secondes pour aller éteindre, ok. Ne te fatigue pas, j'ai vu le kill sous les caméras. Mais notre criminel, celui qui a tué Chap, c'est Ponce. La cam m'a pas vu. J'ai une stratégie, c'est que MV, à la fin, là le route d'avant, MV, et je me dis que... Oula. Ah, on a une argumentation là. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air grave. Et du coup, il... Quoi? Non mais vous devriez être au courant, juste je vous le dis. Mais... D'accord. Oh là là. C'est tout ce que je dis. Ah, mise en scène, incroyable. Ah, non, mais... ah, il nous fait voyager. Hein. Et après c'était évidemment une théorie qui avait 1% de chance de passer, mais qui s'est... Ah, mais c'était pas du tout un troll attends, quand tu buguais là. Vraiment bugué? Mais non, c'était pas ça rendait bien le troll. Mais c'était vraiment le troll. Crush, merci pour les 100 bits. Pompon, tu peux dire à mon prof de la fermer et de te laisser parler s'il te plaît. Ta gueule, le prof, ta gueule. Regardez-moi comme j'ai fait un effort sur la déco. Regardez-moi ça là. Il est pas bien taffé celui-là? Il est bon hein? Tu refais la façade avec Patrick. Patrick il est venu m'aider directement. Normalement on a une bonne isolation, tant thermique que phonique. Comme ça et vu qu'on s'entend pas, t'es hardigba. Regarde, on croit un peu là, voilà. Et genre c'était comme ça tout le week-end, mais ça devait être insupportable, putain. Où êtes-vous? Juste sur le tuto. Qui êtes-vous? Je suis Ponce, un pote... Rien de détecté. Bah si, enfin. Quel âge as-tu? J'ai 29 ans. Tu as quel âge, mon ami? 29 ans. Quel âge as-tu? 29 ans. John Martinez, si tu m'entends... Ah! Ah! Ouvrez! Je l'entends! Ouvrez la putain de porte! J'ai la photo, ouvrez la putain de porte! C'est bon, t'as pris la...
Oh là, oh là. Mais quoi? Pourquoi la porte s'est fermée? Attends, mais pourquoi ça clignote? Non, ouvre la porte! Ah non! Ultia, viens nous ouvrir, Ultia! Mais parlez dans la radio, elle vous entend pas, bande de cons! Mais je parle dans la radio! Ultia, le sel, on en a plus rien à foutre! Rivendi, tu m'entends? Est-ce que tu peux tourner sur toi-même? Apparemment, tu m'entends et c'est très bon signe. Oui. Pour garder votre santé mentale élevée, autour du paranormal, assurez-vous de rester dans des zones éclairées. Il faut quoi, Rive? J'ai mis l'appareil photo. Mais qu'est-ce qu'il fait? Après, ça se trouve, il écrit pas, hein. S'il écrit pas, c'est un type de... Mais qu'est-ce qu'il fait? Oui. J'attends une température glaciale. Attention à tout moment. Attention à tout moment. Où sont les deux? Oh là là, cette SDF, à chaque fois, elle fait la gueule, bordel. Oh, souris, la vie est belle. Ça va, là-haut? Smile. Rabat-joie, toujours foutre la merde, là. Par terre, attends de la main, est-ce que vous avez de l'argent? Fais un sourire, bordel, sois heureuse. Yopon, c'est moi qui t'ai fait un don, j'ai juste trouvé ça incroyable de voir un visage du collège qui ressort. Je m'en rappelle. Pas dit que tu t'en souviennes, si, gros. Si, je te jure que je m'en rappelle. Bon, on doit se laisser normalement à 55. Oh, bah oui, mais moi je pleure souvent de joie, vous savez. Moi, quand je suis content, je pleure en fait. C'est une petite poussière dans l'œil, quoi, qui gratte, quoi. Ça fait chier, quoi, sur des moments comme ça, un peu émotion, avoir une poussière, quoi. Continue les clips, on avancera bien évidemment. Avançons. Magla qui pleure, oh non, quelle grosse merde. Oh, bah oui, mais moi je pleure souvent de joie, vous savez. Je rigole, hein. Mais qu'est-ce que je fous dans la... C'est un appart parisien. Ok, nous sommes dans un palace parisien, messieurs dames. En plein centre de Pondichéry. Après, si vous voulez, je peux vous montrer mes boules. Par contre, je peux vous montrer mes boules. Ça, y a aucun problème. Moi, ça me... Pour le coup, moi, montrer mes boules, c'est jamais un truc qui m'a trop dérangé, effectivement. Les boules, messieurs dames. Les boules, l'arnaque. Ah bah non, bah... T'es... J'ai un trou, là. Après, aussi, oui, c'est parce qu'en fait, je me suis battu, en gros, hier, dans la rue, vers 20h30. J'ai vu une fille qui était toute seule et qui criait « à l'aide !» Et il y avait 117 mecs très musclés autour d'elle. Je me les suis fait un à un. Ouais, il y en a certains que j'ai pris à 2-3 parce qu'ils étaient un petit peu moins costauds. Ils descendaient vers les 90-95 kilos, donc c'était beaucoup plus simple à prendre. Mais en gros, ouais, j'ai mis au sol 117 mecs. Ça crée une espèce de cicatrice, quoi. C'est normal. En fait, en gros, c'est parce que Lutti a parlé au mec de Brut et lui a dit ce qui va se passer, c'est qu'on va monter et puis Ponce, il va me pépon juste avant de qu'on se couche tranquillement, quoi. Alors évidemment, c'était une vanne. Le mec a rigolé, moi j'étais mort de rire. Et du coup, là, on s'est dit, est-ce qu'il va le laisser au montage? En fait, voilà, il a pas mis. Non, mais vous avez les coulisses. Vous avez un peu la base. Mais non, tu as reçu la boîte de Mario Kart Live. Oh, c'est une sœur.